Rebecca de Maloa Moderne vous dit bonjour, chers abonnés de l'émission Moseka de Maloa Moderne. Je viens de prendre mon thé. C'était très bon. Et après mon thé, je regarde l'état des vitres de ma cuisine. Waouh! Ouf, c'est ça. Oh, ça me donne une idée, Alors, amis de l'émission Moseka de Maloa Moderne, aujourd'hui nous allons apprendre à nettoyer les vitres avec le marque de thé. Bandeko balani émission Moseka Maloa Moderne, na otone latina ngai, tant non ta na fenêtre na moli, vitre ya cuisine za salité. Il y a un peu de qui non, il y a un peu de vitre, le marque de thé dont ce n'était utilisé. Donc, j'aurais besoin de quoi? Juste mon marque de thé et du papier froissé. Ça peut être du papier journal, papier de cahier ou alors papier essuie-tout, papier serviette, peu importe, il faut que ce soit du papier, mais l'idéal c'est le papier journal. Alors, quelques conseils avant de commencer notre astuce. Donc, on nettoie jamais la vitre quand le soleil frappe sur la vitre, parce que ça laissera des traces. Donc, il faut toujours nettoyer la vitre à l'ombre. Alors, comment faire? Je prends mon marque de thé. Je le passe sur la vitre en frottant dans un même sens. Si je frotte du haut en bas, sur toute la vitre, ça sera de haut en bas. Si je frotte de gauche à droite sur toute la vitre, je n'irai que dans cette direction. Bandeko balandi, tobosala ndenge nini, po soko la vitre na yo, il ne faut pas ezala na moi. Vitre na yo, il ne faut pas ezala na moi. Pour ce qui est des bêtes na vitre, donc il faut ça faire. Le côté kadanzela nzela, vitre na yo est comme un gâté. Voilà. Na joué si koyo, na tiki yango quelques secondes. Moi ma yoana, humidité wana, et quitte. Amis de l'émission Moseka, après avoir agi ainsi, nous laissons quelques secondes le temps que l'humidité baisse sur la vitre. Ensuite, nous allons froisser notre papier. Bien le froisser et commencer à sécher. On a zo kaoka na zo fina fina papier. Dès na loba ki okyo sali a papier à cahier, papier essuie-tout, papier serviette, tout comme papier journal. Après, au bandit sikoyo, kole ki sa, na vitre na yo. Kaka na sens po yo sale la ki, tan o sale li, marque de te na yo, hein? Dan poussière ya ti. O fek la salite ti kala so humidity. Donc, voilà. Quand le papier est mouillé, il faut le changer. Voilà, on a ça la bongo, papier na yo so qui est poli. Aujourd'hui, on a un petit peu même. Aujourd'hui, papier na yo so. Pour continuer, on a ça aussi. Il ne faut pas le faire sur du papier, avec du papier humide. Une fois que votre papier est bien mouillé, le retourner, utiliser de l'autre côté quand c'est bien mouillé, changer de papier. Alors,
chers amis de l'émission Moseka de Malewa Moderne, notre marque de thé utilisée est là. Donc après avoir nettoyé la vitre, qu'est-ce que je fais? J'ouvre carrément le sachet, tout le sachet, afin de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Bandeko balande émission Moseka, on a assis sur ça de la marque de Tenanga, na fongoli siko sachet, oyo na ko boaka, ça s'en va à la poubelle. Et ce qui me reste, c'est ça, les déchets de thé. Bandeko balande émission Moseka, poussière oyati, oyo na tikali nango. Na omemango siko wapi, na omemango na bilanga. Et kendolie sa mabele nanga, pour mabele ezala naturellement fertilisé, pour ebota biloko kitoko. Donc, direction le jardin, notre petit potager, afin d'enrichir, de fertiliser le sol avec ce marque de paix. On y va! Amis de l'émission Moseka, voilà mon marque de thé. Je le verse directement au pied de la plante à fertiliser. Voilà. Je l'ai versé là. Ça fertilisera ma plante qui va bien croître. Et ça éloignera les insectes. Tande ko balande émission Moseka wana nazwi ba salité ya tinanga. Natiango vraiment. Awa. Et c'est qu'on a lingé ezala. Vraiment na plante nanga. Eko sungango eko la bien na santé malamu. Pe. Banyama balia lia yangote. Voilà. Voilà, amis de l'émission Moseka de Malewa Moderne. Nous voici à la fin. Généralement, quand nous prenons notre thé, nous jetons ça. Ce qu'on appelle marque de thé. Or, nous avons découvert deux astuces à réaliser avec ce marque de thé. Bandeko balandi émission Moseka ya Malewa Moderne, tanto sala atina biso tomeli, o eti kalaka oyo, to sala anango nini, to buakara. Lelo émission Moseka de Malewa Moderne, elakisi biso, lolenge mi balé o tokoki ko sale la marque de thé oyo. Donc oyo oyo to buakako. Donc, ils ont vraiment une utilisation et belé. Les lots, tu es collé mi balé. Tu es collé donc au chocolat vitre na yango. Tu es collé pour fertiliser ma belé. Pour milona na biso kola bien. Bah, ni amaba attaqué yango te. Bon, non, mais la tiens. Hein? Donc là, je prends mon thé en récapitulant ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu deux utilisations de marques de thé. Donc, la première utilisation, c'était le nettoyage des vitres. Et la deuxième, la fertilisation du sol. Et la protection des plantes contre les insectes. Donc, la qualité du thé importe peu. Ça peut être le thé rouge, le thé vert, peu importe la qualité du thé. Toujours est-il que le reste là, qu'habituellement nous jetons dans la poubelle, n'ira désormais plus dans la poubelle parce que nous en connaissons l'utilité maintenant grâce à l'émission Moseka. Donc, moi, je conserve comme ça.
Après avoir consommé mon thé, je le garde, ça sèche et je réutiliserai au moment opportun. Voilà. Voilà, ça c'est déjà vraiment sec. Donc je le garde comme ça, je le conserve. J'en ai plusieurs que j'utilise au moment opportun. Bande Kobalandi, émission Moseka Malewa moderne. Donc, Tinayo, Outio Salela, donc Omelinayo. Bah, salte, salte ou etikali ou tobwa kaka ou tobengaka, généralement salte. Na français, ba ben yango marque de thé. Marque de thé ou izana li tomba, koukene sous kolie sa poubelle na yo te sale lambo. Le loto ye kolina nou lolenge mi bale ya ou sale lambo. Donc, toko bwa kaka li sousou, ba marque de thé na bisote. Toko bomba kango toujours, pona ko sale la. Donc, to sale la ki ya frais. Nati kakango boye etangi maiti omone kauki et komi boye ya okauka vraiment na bombi nanga journa nango besoin na saleli donc imagine un peu chaque jour sur melakati comme tu étais nini oza nango pe ko sunga yo vraiment neti toye koli lelo esungi pona milona na biso pe pona ba vitre na biso. Tout meka, totika la scotché, toujours liboso ya émission Moseka, ya malewa moderne, ponako yekola, makambo ebele. Astuce ya lelo, epe samela ki bino na mamilik, oyo azo invite bino bo like émission Moseka, bo partager, bo s'abonner. En tout cas, Borozalaka jamais déçu. Bobo Sanapete, ko aimé la page et le groupe Le Béaba de la cuisine RDCienne. Kuna lisusu toye kolaka e bele bandeko balandi. Ya émission Moseka ya malewa moderne. Toko ye kolaka pe ko continue koye kola toujours na émission Oyo. Tope si nombo te mingi, pe merci mingi, nandenge bolanda ki biso lelo, nzamba pambola bino, a pambola emisyon, e kende toujours liboso, pe a pambola bino, obo lingaka, emisyon Moseka de Malewa Moderne. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui passe l'émission Moseka de Malewa Moderne.